Après du bon, du moins bon, Duke Nukem Forever, lui, avait laissé une trace de frein indélébile sur le slip de nos souvenirs. Quels sont les jeux cette année que vous avez achetés, testés, éjectés, puis joués au frisbee avec? Tout de suite, c'est le top des pétards mouillés. Médaille d'or. Bon, quand trois titres finissent par avoir le même score en première classe, il n'y a pas d'autre choix. Un peu comme les rencontres sportives en primaire, à la fin, tout le monde gagne un jeu de Free Leader Prize. Tout d'abord, et c'est plutôt une surprise, Halo 4. Eh oui, graphisme classe, finition irréprochable, BO marquante, pourtant, Halo 4 déçoit. Moi qui n'ai jamais vraiment aimé Halo, cet épisode était mon préféré. Mais du coup, j'imagine que pour les fans de la première heure, c'est l'inverse. Alors, il y a un mode multijoueur Call of Duty, une campagne un peu plus en ligne droite et un Masterchef bien bavard. Cela a peut-être repoussé les fans de la première heure. Vous savez, ces masochistes qui regrettent l'époque des niveaux ultra répétitifs et des fins en queue de poisson. Oh, sniff. Autant l'épisode 3DS mérite des louanges, autant celui-ci, mes aïeux, celui-ci! Comment, après une telle polémique sur le 5, ont-ils réussi à faire un jeu encore plus chiant, au gameplay à la ramasse, à la caméra aussi frustrante, à la lisibilité quasi nulle? Du contenu en pagaille, mais un gameplay et un rythme à s'arracher les sourcils. C'est beau, mais on n'y voit rien. C'est long, mais c'est injouable. C'est un Gears of War du pauvre, mais c'est un Resident Evil. Faites-moi plaisir et chiez dans la boîte de Resident Evil 6 la plus proche de vous. Après le double effet qui se coule, le double effet Zombie U. Certains ont réussi à s'auto-convaincre que le jeu est hardcore et vraiment pas si laid, mais quand on enlève le filtre « j'ai payé 300 boules pour ce truc, donc je vais être indulgent », eh bien Zombie U est une belle déception. Pas un jeu à jeter par la fenêtre non plus, mais l'effet Red Steel Beast est bel et bien là. C'est moche, c'est chiant, jeter des coups d'œil sur la mablette est plus crispant qu'autre chose, surtout quand c'est pour fouiller des boîtes vides. Et ceux qui l'appellent le Dark Souls version zombie devraient franchement rejouer à Dark Souls et consulter un psychiatre.